tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on est 2 jours avant la fête du club. Et j'ai décidé de m'y prendre à l'avance cette fois-ci et de préparer ma valise à l'avance. Donc voilà ma petite valise. Et en fait, la fête du club, c'est samedi. Et là, nous sommes jeudi soir après la gym, ce qui peut expliquer ma coiffure, ma tête, mon état. Et du coup, j'ai décidé de m'y prendre à l'avance. Car j'ai besoin de beaucoup de tenues parce que je fais beaucoup de spectacles, je fais plusieurs trucs. Et en fait, ça va se passer sur toute la journée, de 9h à 2h du matin et tout. Du coup, le matin, on va y aller. On va faire répétition. Du coup, on va tous passer à la chaîne, le spectacle, comme si c'était l'après-midi, quoi. Et si tout, on va voir si on va faire des réglages et tout, voir s'il y a des trucs qui vont pas, etc. Ensuite, on va manger le midi. Et puis là, les parents vont arriver. On va faire tout le spectacle jusqu'à 16h. Et à 16h, on va aller dans les douches. On va se doucher, se laver les cheveux parce que c'est obligatoire chignon plaqué pour tout le monde. Pas de coiffure bizarre. Et on va faire ça, on va se doucher et après on va s'apprêter en belle robe avec des talons, on va se maquiller, on va se faire des boucles et tout, on va se faire toute belle. Puis on va aller dans une autre salle, là où on va faire la fête, vraiment on va danser, chanter et tout. Il y aura un gros buffet et tout et là je vous filmerai. Et du coup voilà, du coup là je dois préparer ma tenue pour le soir, je dois préparer ma tenue parce que je vais faire une courrie à moi. Du coup je vais devoir prendre une tunique, je vais devoir prendre... short, brassière, Vilena là pour faire les deux spectacles. Puis je dois prendre des tenues de spectacle, je dois prendre mes claquettes, je dois prendre mon maquillage, mes trucs chinois. Bref. Il y a beaucoup de choses à prendre. Du coup, j'ai pris une giga grosse valise pour bien avoir la place de tout mettre. Du coup, c'est parti. Nous sommes le jour J, j'ai fait mon chignon. J'ai pas su vous filmer quand je l'ai fait parce qu'il y a eu un petit péripétie. Genre, j'étais dans mon lit, je dormais. Et là, je me réveille d'un coup parce que mon rêve était fini. Et je vois qu'il fait jour, mais genre pas jour. Un peu du matin, genre jour. Alors, je regarde mon tel, j'appuie, je vois pas l'heure. Et en fait, mon tel était plein, sauf que je devais me réveiller à 5h30. Et on devait partir à 7h30 de chez moi. Et regardez des traces de lit et tout, genre j'ai tellement bien dormi. Mais en plus, mes traces, elles partent en super longtemps. Et du coup, j'ai été dans la chambre de ma soeur en courant. J'ai regardé l'heure, il était 7h07. Là, j'ai fait mon chignon en exactement 4 minutes. Non, 7 minutes. Oui, il est pas mal pour 7 minutes. Du coup, j'ai stressé à mort. Du coup, maintenant, je dois faire mon maquillage. My God, les péripéties commencent. Bon, moi, je fais mon maquillage. Je vous fais une main rapide. Là, je suis totalement prête avec ma valise. Elle est méga grande. Et là, c'est parti. Je vais aller soit déjeuner, soit aller à la salle. On verra. Par contre, là, j'ai plus de voix. Ça devient grave. Let's go! J'espère que ça va bien se passer! Voilà, pour finir, j'ai pas déjeuné et je suis dans la voiture. J'ai pris à déjeuner des petites cracottes parce qu'il y avait rien d'autre. Du coup, go manger des petites cracottes dans la voiture. On est un peu serré et mon chignon il touche le cerceau. Oh, il y a plus de lumière. Bon, à la salle! Voilà, là je suis à la salle avec Sophia. Et là on se prépare pour le défilé. Là, on se prépare pour le défilé. Il y a tout le monde. Et on espère qu'on va bien faire là. C'est le défilé. Et après, on va faire les galas. Il y a des gens qui vont filmer des extraits pour mettre dans la vidéo. Mira, dis coucou. 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 Voilà. Après, c'est bon, mais je vous ai déjà filmé. Vous avez vu comment elle est méchante? Ok, du coup, après, là, on va faire notre gala direct. On va enchaîner. J'espère que ça va aller. Deux minutes. Dans 2 minutes, c'est le défilé. Ok, je vous laisse. Voilà, là on a la soirée dansante. On est prête. La Sophie. Ariana, Sarah, Olivier Ouski. Olivia. Je suis en retard.
Et là, on mange. Oui, le mien, il est plat. Du coup, je l'ai volé. Rimos, là c'est le petit resto. Là il y a la plage, elle est... l'eau elle est parfaite. Il n'y a aucune pollution, elle est super transparente. Regardez. Et en plus c'est une plage de sable, du coup ça fait même pas mal. Oulala, l'eau. Là-bas il y a notre bateau. Par contre on a que 45 minutes, c'est pas beaucoup. Et ici il n'y a que 28 habitants. Regardez. Là-bas c'est les petites maisons. Et là, c'est le là. Là. Et voilà. Là, on va faire le tour de la plage. Et après, on va aller dans l'eau. Parce que là, il nous reste que 40 minutes. C'est pas bon. J'ai une tête trop moche, cette tête dans l'eau. Il faut que je filme à 0,5. Non, je vais réussir. Attendez les copains. Bateau et on peut pas descendre ça. Si, mais il faut pousser et il y a des cordes. Et du coup, on a le repas, c'est ça. Je sais pas si vous voyez. C'est une salade de choux avec là le tzatziki. Là, c'est la brochette et là le pain. C'est un petit repas, mais c'est bon. Et là, on va partir bientôt pour la deuxième île. Voilà, là, on est arrivé à la deuxième île. Je vous promets, genre, il fait 1000 degrés, je fonds. Et en plus, je dois garder ça parce que sinon, ma maman a dit que je vais cramer. Du coup, ici, on est à Kalimos. Voilà la vue. Tout le monde dit que là-bas, c'est je sais pas quoi. Moi, je dis que c'est le volcan, je suis sûre. Je sais pas si vous voyez, il y a une tache là où il y a plein de fumée. J'ai l'impression que c'est là, chez vous. C'est beau, mais oh my god, comment il fait chaud. En plus, on a dû monter pour aller voir l'église. Oh my god, en plus, c'est fermé. Du coup, là, on promène et je suis pressée de manger une glace parce que j'ai trop chaud. Trop chaud. Je transpire comme jamais. Mal, attention pour la glace. Qui saute? Mais attends, Mia. Attends, ils veulent d'abord monter. On arrive à Platy. Là, vous avez vu sûrement quelques extraits où on saute du bateau et on nage et tout. On a été là-bas faire des photos et tout. Vous pouvez les voir sur Instagram. Même là-bas, regarde. Mon Instagram, il apparaît juste là. Il y aura des photos avec Lola et des photos avec Mathis et tout. L'eau, elle est incroyable, regardez. Il y a plusieurs couleurs et tout. Il y a plein de poissons. Vraiment, elle est super bonne en plus. Il y a des gens, ils sautent de méga haut. Vraiment, ça me fait trop montre peur. Là-bas le bateau, moi, ils sautent de là-bas, étage. Ils sautent de dernier étage, là, dans l'eau. C'est méga haut. Nous, déjà, de la porte, on avait un peu peur. Ouais, moi, je Lola, elle a galéré à aller dedans. Mais elle a réussi. Et elle vient rester aussi debout quand on avance, c'est trop bien. Ouais. Et on est trempé là, on sèche. Ouais. Et moi j'ai fait une sieste. C'est méga beau là-bas.
comment je me prépare avant le cours de GR. Du coup, déjà, j'enlève tous mes bijoux, surtout les boucles d'oreilles, parce que ça s'accroche dans le ruban. Quand on attrape les engins, etc., c'est un peu chaud. Et je mets tout dans ma petite pochette mouf que j'avais pris ce matin. Hop, les bagues, je les ai déjà enlevées. Il faut que j'enlève mon collier. Voilà. Ensuite, je vais prendre dans mon sac de GR. Hop. Mon papa, il m'a acheté ça pour me donner un peu d'énergie. Je vais prendre ma brosse avec mes élastiques. J'hésite à mettre les petits trucs Vinkova parce que ma maman, elle m'a donné un legging comme ça. Parce que mes vêtements, ils s'étaient trempés. Du coup, j'hésite à les mettre. Du coup, je vais vous montrer un petit tuto comment je fais ma coiffure de GR. Du coup, on commence à prendre quoi que pour ce faire. Je m'abaisse comme ça. On brosse. Je me mets sur les points, tout le monde, vous me voyez. J'attrape tout. Je fais pas une couette haute ici, vous voyez. Ça, c'est pas haut. Moi, je fais très haut, en fait. Pour au moins, ça tient bien. Parce que toutes les filles, elles n'arrivent pas à que leurs cheveux tiennent. Je sais pas comment ça se fait. Moi, j'arrive super facilement. En vrai, ça va super vite. Hein. On prend la brosse, on plaque bien. Hop, surtout bien devant parce que pour les photos c'est plus joli. Voilà, quand on arrive ici, on prend un gros élastique comme ça, vous voyez, et on vient tirer super fort comme ça. On tourne, on fait la même chose de l'autre côté, toujours le plus possible, hein. On tire bien fort. Hop, et là c'est le dernier tour. Hop, et on resserre. Là, on arrive à ça. C'est un peu moche. Hein. Ensuite, on prend un élastique plus fin. Ce que les gens utilisent pour faire ça. Sauf que ça ne tient pas du tout. Et on vient faire une tresse. Ce qui n'est pas très compliqué. On sépare en trois. Et on passe les cheveux toujours au-dessus. La mèche du milieu, on vient la mettre au-dessus. La mèche du milieu, on vient la mettre au-dessus. Et à chaque fois, on change de côté. Je vous montre derrière, je sais pas si vous allez voir. Et ensuite, on vient attacher. Il ne faut pas aller trop loin parce que sinon, il y aura plein de cheveux qui vont se barrer. Voilà. Normalement, je la fais plus longue, mais vu que j'ai coupé mes cheveux en dégradé, c'est un peu chaud. Ensuite, on plie un tout petit peu comme ça. La tresse, elle est comme ça. On la monte un tout petit peu pour faire ça. Et on prend un gros élastique aussi. On vient attraper. Et on vient serrer super fort. On tire comme pour faire la couette. Et voilà. Ensuite, pour que les petits cheveux y tiennent, ben, vous faites juste ça. Mais de toute façon, dans 3 secondes, c'est parti. Voilà. Ensuite, je mets un petit peu de déo. Lui, c'est le meilleur, c'est mon préféré. Du coup, là, je vais aller coller l'horaire pour qui fait le casier. Et je vais mettre un petit peu d'huile pour les lèvres. Et je vais mettre mon truc pour le dos d'abord. Du coup, d'abord, je vais mettre mon huile pour le dos. Hop, hop, hop. On descend le short. On vient appliquer. C'est une maman d'une fille qui m'a fait l'huile parce qu'elle est masseuse. Elle est super bien, l'huile. C'est un petit truc comme ça. Fait maison. Avec des petites pierres pour le mal de dos. Yeah!
Maman, ça va? Mais tu vois, à la fois, je suis le premier demain. Mais il est pas comme ça. Non, mais quand on tournait près de l'eau, moi, je t'avais tombé, ouais. J'ai fait pas besoin de contraction. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo vlog à Fantasialand en Allemagne. Là, ça fait 2 heures qu'on est arrivé. J'ai filmé quelques attractions, des moments dans le parc. Et là, mon frère, ma soeur et mon papa ont été faire une attraction qui mouille et j'avais pas envie. Du coup, j'ai pas été. Là, on les attend et après, on va encore faire une attraction et puis on va manger, je pense. J'espère qu'on va manger un bon truc. Hein. Du coup voilà, là on a fini de faire 3 attractions, c'est le midi et du coup là on va manger mexicain. Il y a plein de trucs et j'ai pris un burritos avec mon frère, on a pris un chacun. Et t'as pris quoi là? Moi j'ai pas fini, Lola a pris un frappe et ma maman l'a pris des nachos. Je vais vous filmer après les repas et on va donner des notes. Coucou les gens, là on va faire le Black quoi? Comment? Black Mamba. Et on va faire la file de 40 minutes. Il y a écrit et il n'y a personne en fait. Ça fait déjà 5 minutes de marche à personne. Ah, c'est bon, les choses sont assis. Merci, c'est un peu leur rigueur. Donc on reste, la personne va rien. Filme de l'autre côté. Mais c'est la tête à l'envers là. Les gens là on est la tête à l'envers clairement. Regardez les rails. Et nous, ça va se faire le vampire pour lui. Oui. Oh mais c'est par le haut. Bah oui. Hein. J'ai trop peur. Mais je dis moi on avance la tête en bas. Tout le monde c'est à l'envers là. Non mais c'est dans l'autre sens que tu vois. Oui mais attends, on va bien. Mais déjà on avance. Tant pis, on verra pas. Mais on va quand même voir en haut. Ouais. Comme ça dedans. Guys, du coup l'attraction en fait elle était bloquée dès le début et là on a attendu pendant 30 minutes alors qu'elle est bloquée. Heureusement qu'on n'a pas été avant, hein. On serait bloqué dedans. Maintenant, on va se préparer pour aller prendre la douche. Je vais me laver les cheveux parce qu'ils ont commencé à être un petit peu gras. Et on va aller prendre sa douche. Du coup, je vais préparer mon pyjama pour ce soir. Et ensuite, on va aller prendre la douche. On va prendre un petit t-shirt large avec un short. Voilà, j'ai mes claquettes avec. Et c'est tout. J'ai besoin que de ça. C'est parti, on va aller prendre la douche. Et on se retrouve en bas dans la salle de bain quand on fait les soins. Voilà, j'ai fini de prendre ma douche. Maintenant, je suis toute propre. Et je vais allumer ma bougie de chez Yankee Candle. C'est celle au caramel croustillant. Let's go. Et ensuite, on va faire ma skincare. Je vais prendre un élastique pour attacher mes cheveux. Comme ceci. Le temps de faire ma skincare. On va commencer par la lotion tonique à la vanille. Que je mets sur un petit coton. Partout, je vous dis, c'est la fin de sa vie. Là, elle est presque vide. Du coup, j'aurais bien voulu me faire un masque avant la rentrée, mais j'ai pas le temps et j'ai pas envie d'aller dormir trop tard. J'ai trop le seum, j'ai eu un gros bouton qui est venu ici, là. Heureusement qu'il est près de mes cheveux, au moins quand j'aurai mes cheveux lâchés, ça va pas se voir. Ok, du coup, ma tenue pour demain, c'est un petit jean de chez Shein. Basique, c'est un peu bleu gris comme ça. C'est ni large ni slim, c'est entre les deux. Et c'est un jean taille haute. Un
t-shirt blanc, comme ceci. Je vous montre de plus près, on verra plus ma tête, mais il est comme ça. Purée, j'arrive pas à le mettre bien. Il vient de chez Shane, il est même pas transparent. Et la touche finale, mon petit pull en laine, qui vient aussi de chez Shane. Comme ça, il est super beau. Ok, du coup, on va préparer mon sac pour l'école pour demain. Du coup, pour demain, je vais prendre un petit carnet, parce que si j'en ai besoin de prendre notes, j'ai pris un tout petit carnet comme ça. Ensuite, je vais prendre une trousse avec dedans mes fluos Stabilo. Du coup, je les prends tous, vu qu'on va faire le journal de classe. Sûrement, on va écrire l'horaire dans le journal de classe. Et on aura besoin de fluoter pour chaque cours différent. Ensuite, comme bic, je vais prendre un bic basique bleu, mes deux bics violets et mes trois bics bleus. Je sais que ça sert pas à grand chose parce que je vais pas écrire avec tous ces bics, mais j'avais envie. Et pour finir, je vais prendre un crayon, un porte-mine. C'est un porte-mine en bic, il est super stylé avec une petite fleur. Je brosse les cheveux et je prends juste une pince comme ça. On va enrouler. Maintenant, je vais mettre mon parfum. Et ma brume. Rejoindre mes parents. Du coup, je vais prendre deux métros et on se retrouve après. Mais là, on a passé l'année là-bas. Et puis, le lendemain, j'ai envie de faire les choses. Oui, je suppose, elle est magnifique. Mais elle fait le dire.